Alors voilà un court extrait de L'abus de Tiopolo, paru chez Gallimard par Philippe Delerme. Deux femmes assises sur une espèce de sofa ou de lit. On ne distingue pas nettement les formes de l'étoffe rouge champ. L'une d'elles, nue, s'appuie sur son bras droit, au premier plan. Le visage contre l'épaule, elle regarde quelque chose qui lui montre sa voisine. Une image, une photo, un carnet de croquis. La seconde femme est vêtue d'une robe noire. Elle semble un peu plus âgée que la première. Le détail des visages ne le dit pas. Les traits sont esquissés dans une même forme ovale allongée, mais aucun détail, comme dans un matisse. Non, c'est plutôt leur position qui dit cela. La souplesse nonchalante de la femme nue, le buste un peu en arrière, les jambes allongées sur le sofa, tandis que l'autre est assis sagement, plus ferme dans son attitude. Sur ses genoux, la femme habillée a posé ce qui doit être un tableau, mais là aussi, la facture est trop floue pour permettre de l'affirmer.